Bonjour à tous, est-ce que vous allez bien? Parfait, ça va aller encore mieux parce que c'est le moment de Côté Comics. Alors, au sommaire du jour, on va commencer avec Julien, qui va nous faire les dernières sorties de mai, puis les sorties de juin. Ensuite, on s'est rendu au Rayon Vert, on va vous présenter tout ce qu'on a fait là-bas. Il y a des conférences, il y a des cosplays, il y a plein de choses intéressantes, faut pas rater ça. Et enfin, Julien et moi, on va terminer avec les conseils de lecture pour l'été. Parce que le soleil, c'est bien, la mer, c'est bien aussi, mais les comics, c'est mieux. Et on va tout de suite commencer avec Julien. Bonjour à tous, passons immédiatement aux dernières sorties comics du mois de mai. Et comme il s'agit de la dernière émission, nous ferons ensuite un petit tour des grosses sorties prévues pour le mois de juin. Nous reprenons donc le 14 mai avec la réédition en librairie cette fois de Captain America Renaissance. Si vous suivez les Deluxe Captain America en fermant le run du scénariste Ed Brubaker sur le personnage, vous savez sans doute que Steve Rogers est mort peu après Civil War. Et sinon, on va peut-être spoiler. Voilà. Eh bien, comme c'est souvent le cas dans les comics, il ne l'est pas resté très longtemps. Cette mini-série en 6 numéros nous décrit son retour. C'est toujours Ed Brubaker au scénario, accompagné par l'excellent Brian Hitch et Luke Ross, pour un récit qui ne restera pas dans les mémoires et se situe clairement en dessous du niveau de la série principale, mais reste tout de même très divertissant, avec de bonnes idées et forcément important dans l'ensemble. Le 14 mai toujours, ce sera la fin de la série X-Factor de Peter David et Leonard Kirk. L'équipe de mutants mène sa plus grande bataille dans 16 derniers numéros de feu. Vous avez aussi pu retrouver une nouvelle réédition de la très populaire série Ultimate Spider-Man avec un nouveau tome A, regroupant les 13 premiers numéros de la série de Brian Michael Bendis et Mark Bagley. Le 16 mai, on pouvait assister à la fin du crossover Trinity War dans les pages de Justice League Saga numéro 7, qui va lancer le grand event à venir en juin, Forever Evil. Encore des X-Men va terminer avec une série estampillée Marvel Now qui sort directement en librairie, à savoir le nouveau volume d'X-Men Legacy. Une série totalement déjantée et passionnante centrée sur Légion, le fils de Charles Xavier, aux personnalités multiples et plus instables les unes que les autres. C'est écrit par Simon Spurrier et dessiné par Tang Engwat et Jorge Molina. Le 21 mai, c'est aussi le comeback de Kick-Ass avec la première moitié du troisième et dernier volume de la maintenant très célèbre série de Mark Millar et John Romita Jr. À la suite des événements du tome 2, Hit-Girl est maintenant en prison et Kick-Ass se retrouve donc seul pour diriger son groupe de super-héros. Libérer son ami va donc devenir sa principale priorité, mais Dave Lizowski commence à avoir des doutes sur ce qu'il doit faire et jusqu'où il peut aller. Le début de la fin pour Kick-Ass à ne surtout pas manquer. On finit ce mois de mai avec la fin du run de Grant Morrison sur Batman. Le tome 8 de Grant Morrison présente Batman sort le 23 mai et vous offre l'intégralité du deuxième volume de Batman Incorporated, et donc du même goût la conclusion de l'histoire avec une fin des plus réussies. Alors qu'en bonus, le tome 0 de la même collection vous offre un petit retour vers le passé avec la première histoire de Grant Morrison sur Batman, Gothic, tirée des numéros 6 à 10 de la série Legends of the Dark Knight. Une histoire très acclamée par la critique qui soulève des secrets sur le passé de Gotham City. Pour le mois de juin, du côté de Panini Comics, vous pourrez découvrir la mini-série Hunger, du côté de l'univers Ultimate, qui lance le gros événement à venir, Cataclysme. Suite à Age of Ultron, l'espace-temps a été altéré et Galactus se retrouve dans l'univers Ultimate, ce qui est forcément une très mauvaise nouvelle pour eux. Ce sera dans Ultimate Saga numéro 4. Daredevil sera aussi à l'honneur avec une très belle intégrale reprenant ses toutes premières histoires de 64 à 65, 11 numéros par les auteurs Stan Lee et Bill Everett, entre autres. Il y aura aussi beaucoup de Marvel Now qui débarquent en librairie après leur passage en kiosque. Ce sera le cas d'Avengers, de Jonathan Hickman et Jérôme Opeña, d'Iron Man, de Kieron Gillen et Greg Land, des Gardiens de la Galaxie de Brian Michael Bendis, Steve McNiven et Sarah Pichelli, et enfin de la dernière série X-Men de Brian Wood, Olivier Coipel et David Lopez. Du côté d'Urban Comics, c'est les grands débuts du premier Raven DC depuis le reboot de 2011, Forever Evil. Tous les grands héros de la Terre ont disparu et les vilains ont pris le contrôle, comptant bien réorganiser les choses à leur manière. Une histoire de Geoff Jones et David Finch. Le magazine contient le premier numéro de l'event ainsi que les numéros du Villains Month consacrés à Bane, Scarecrow, Grodd et les Rogues de Flash. Grant Morrison sera déjà de retour sur Batman avec la réédition de son Arkham Asylum qui nous plongera dans les méandres du fameux hôpital psychiatrique de Gotham City et dont vous ne ressortirez pas indemne. Urban Comics vous propose aussi en juin un run historique, celui de Dennis O'Neill et Neil Adams avec le duo Green Arrow et Green Lantern. Il s'agit d'histoires très novatrices pour l'époque qui s'attaquent de manière très réaliste aux problèmes sociaux sensibles et ont influencé de forte manière l'industrie du comic book. C'est pas rien quand même. Chez Delcourt, juin signera la sortie du nouvel album de The Walking Dead, le numéro 20 qui contiendra la première moitié de la grande guerre entre les communautés de Rick et Negan.
L'arrivée de deux nouvelles séries, enfin, le très surprenant et passionnant Ted Grand de J. Michael Straczynski et Ben Templesmith, qui ne sera à ne pas rater. J'en profite pour vous signaler deux projets de comics français qui ont besoin de votre soutien, puisqu'ils se lancent tous les deux dans des campagnes de financement participatif. En premier lieu, la BD Bertrand Cuftarian de Guillaume Mathias et Carlos Rodrigo, qui propose une belle édition intégrale regroupant les 4 premiers numéros des aventures du chasseur d'aliens à Metz. Et ensuite, Infinite Loop, le nouveau projet de science-fiction des talentueux Pierrick Collinet et Elsa Chartier. Et sachez que même si les objectifs sont atteints, vous pouvez continuer à financer ces projets, vous aurez plein de bonus et de belles surprises. C'est tout pour les sorties comics de mai et de juin. On va maintenant faire un petit tour au festival Le Rayon Vert et je vous retrouve juste après pour les lectures de l'été. Il fallait s'armer de patience ce week-end pour pouvoir rencontrer son auteur ou dessinateur de BD et comics favoris. Car ils étaient près de 2000 amateurs du genre à parcourir les allées du festival Le Rayon Vert. Dédicaces, expositions, conférences. Au bout de 3 ans d'existence, le salon commence à trouver son public. Le dessin, c'est beau. Les gens font vraiment. C'est vraiment un club de passionnés. Donc, du coup, c'est vrai que c'est quelque chose de très intéressant à découvrir, en fait, comme atmosphère. Donc, c'est très enrichissant. Des petits auteurs qu'on ne connaît pas forcément, qui nous permettent de faire découvrir bah justement des BD qu'on ne connaît pas, des petits éditeurs aussi, enfin, c'est assez sympa. Parce que c'est un festival très intéressant et on voit pas mal de vedettes et on peut les approcher, voir faire des dédicaces. Et ce qui fait la force du Rayon Vert, c'est non seulement la place donnée aux auteurs et illustrateurs célèbres, mais également la découverte d'artistes locaux. Parmi eux, Phylactère, un collectif lorrain actif depuis 11 ans dans la région. La rencontre avec le public est un des vraiment grands intérêts de venir dans les salons. Ça permet nous aussi d'avoir les critiques en direct des lecteurs, de rectifier le tir parce qu'on est un collectif toujours on essaie toujours de s'améliorer. On est encore en apprentissage, j'ai envie de dire, sur l'écriture de la bande dessinée. Donc du coup, rencontrer le public, c'est indispensable pour nous. Moins protocolaire peut-être qu'un festival parisien, le Rayon Vert se veut convivial. Il y a plusieurs auteurs qui ne se connaissaient pas, qui ont fait connaissance grâce au festival et qui vont peut-être travailler ensemble sur des projets. Il y a des libraires qui ont rencontré d'autres auteurs, il y a des éditeurs qui ont fait connaissance de libraires. Enfin voilà, c'est très convivial. Les cosplayers qui découvrent des choses. Enfin, tout le monde découvre plein de choses et apparemment, voilà, c'est très amical et je pense que oui, c'est peut-être la différence qu'il y a avec d'autres festivals. Ouais. C'est très agréable, ça se fait dans la convivialité. Voilà, il n'y a pas de séparation entre les auteurs et le public. On voit les lecteurs au moment de la dédicace et au moment où on mange. Voilà, c'est très, très agréable. Au-delà de la rencontre avec des auteurs, le Rayon Vert se veut avant tout une fête, un moment familial où on se plaît à sortir du cadre pour jouer les héros. Il emmène aussi, souris, hein. Comme l'année dernière, Julien et moi allons vous proposer quelques comics sympas que vous pourriez lire durant l'été tout en profitant des bains de soleil. Je vais commencer avec Cap Vert, un comics bien fun et pas prise de tête en 3 tomes et dispo chez Glénat. Une histoire clairement inspirée du film de Faculty de Robert Rodriguez et qui met en avant un groupe d'enfants dont les membres sont les seuls à se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche dans leur ville. Et effectivement, les adultes de leur ville, Eldorado, tombent un à un sous contrôle de démons. Ces enfants, de véritables goonies en herbe, vont donc devoir s'allier pour tenter de sauver la situation. Et tout ça avec de beaux dessins d'Humberto Ramos et une colorisation des plus impressionnantes, s'il vous plaît. Julien, essaie de faire mieux que ça. Ok Jeff, on y va donc pour ma sélection de l'été, la seule qui vaut le coup, je vous le dis direct. Donc mon premier choix sera Les Gardiens de la Galaxie. Évidemment, le film sort cet été, c'est donc une bonne occasion de s'y mettre. Et Panini pense à vous en sortant en librairie le premier tome de la dernière série en date estampillée Marvel Now, déjà paru dans le magazine Iron Man par ailleurs. Le scénariste Brian Michael Bendis relance l'équipe avec une version qui sera accessible à tous et qui offre exactement ce qu'on attend des Gardiens de la Galaxie, à savoir du fun, de l'humour, de l'action et d'excellents dialogues. Pour ne rien gâcher, Steve McNiven et Sarah Pichelli sont au dessin et déchirent tout. Ça sort le 4 juin. D'accord, Guardian of the Galaxy. Forcément, le film arrive, très bon choix. Alors moi, le suivant que je vous conseille, c'est Lucy's Lloyd, Nightmare. Ouais, pas de petit garçon cette fois, mais de l'horreur. Bah, vacances ou pas, il en faut toujours un peu, hein.
Alors ce comic, c'est un recueil d'histoires d'horreur, un peu comme les contes de la crypte, et dans lequel c'est juste le bordel. Les dessins sont sublimes, pas de problème, mais il est clair que c'est surtout au niveau du scénario que cela casse 17 pattes à un canard, au moins. Le narrateur est peu rassurant et nous présente des contes morbides avec un humour archi noir, notamment lors de la conclusion du récit. Ceux qui aiment les globules rouges doivent le lire. En plus, les récits sont très très courts, à des époques et à des lieux différents, et du coup, vous pouvez le lire tranquillement entre deux apéritifs sur la plage. Parfait. Julien, ton deuxième choix. Bon, sinon, l'été, c'est aussi l'occasion de se lâcher, de se laisser aller à ses vices, de dire quelque chose de très barré et politiquement incorrect, et quoi mieux pour ça que la série de Warren Ellis et Derek Robertson, Transmétropolitan. Laissez-vous embarquer dans l'univers déjanté et sans concession du journaliste Spider Jérusalem, qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas, et le fait dans son style très particulier. Une lecture qui vous fera littéralement prendre votre pied, je vous le dis. Si vous ne l'avez pas encore lu, je vous le recommande fortement. Le tome A est déjà sorti et le tome 2, il sort en juillet, ça tombe bien. Allez Jeff, essaie de faire mieux que ça, je te renvoie la balle. Très bon choix, bah tant qu'à faire moi aussi, je vais rester chez Urban. Mon dernier choix est plus un rappel. Cette année, je ne peux que vous conseiller de profiter des 75 ans de Batman. C'est lui là. Vous pouvez donc vous pencher du côté Urban Comics de la Force et notamment vers la réédition de 5 œuvres majeures du Chevalier Noir qui sont en noir et blanc. Vous avez Batman Year One qui raconte la première année du Chevalier Noir à Gotham, forcément. The Dark Knight Returns qui raconte son retour, forcément. Amère Victoire qui est la suite d'un long Halloween. Les deux sont très bons, faut les avoir. La Cour des Hiboux qui est la première histoire de Batman depuis le New 52, un bon point d'accès et une histoire de qualité quand même. Et Batman Silence, un épisode culte autour du super-vilain Silence ou Hush en VO. Vous avez aussi Cataclysm et No Man's Land, qui sont très très bons et qui ont été très longtemps attendus en France, et qui placent la ville de Gotham City dans une situation jamais vue, puisque là, elle subit un tremblement de terre, mais pas du genre une petite secousse, c'est du genre un bon tremblement de terre qui fait boum. Vous avez aussi Les Tourments de Double Face, sorti dernièrement, et également considéré comme étant l'une des meilleures histoires sur le super-vilain. À travers des dessins sombres et efficaces, vous pourrez assister au combat intérieur de l'ancien procureur avec d'un côté Harvey Dent et de l'autre, surprise. Bref, c'est largement à lire pour ceux qui apprécient le personnage et souhaitent en savoir plus sur ses origines. Ok, ouais, donc tout Batman en fait. On avait dit une sortie, pas 22. Bon, je finis mes choix de l'été avec une excellente série qui s'est terminée il y a peu, avec son 6e tome, il s'agit de Lock and Key. Après la mort du père, la famille Locke emménage dans une vieille demeure familiale, Key House, et va rapidement découvrir des clés magiques permettant de réaliser des choses plus farfelues les unes que les autres, le tout entouré d'un grand mystère appartenant au passé de la famille. Les auteurs Joey et Gabriel Rodriguez ont réussi à créer un univers rafraîchissant, novateur et surtout très passionnant. Les personnages sont très attachants, la narration est maîtrisée à merveille et l'histoire est carrément addictive. Une série maintes fois récompensée et à mon sens une lecture parfaite pour l'été, d'autant que l'intégralité de l'histoire est maintenant disponible. Voilà pour nos lectures de l'été. Donc vous pouvez lire les miennes et mettre celles de Jeff de côté, ou l'inverse, peu importe, on vous aime quand même. Et puis, ben, passons à la conclusion. Et voilà, c'est déjà tout pour cette nouvelle émission. Et un peu plus peut-être, parce que c'est la fin de la saison aussi. Eh oui, c'est en deux qui se finit. C'est aussi la fin de la saison 2, effectivement. Et en fait, peut-être un peu plus. C'est peut-être la fin. Ouais, c'est peut-être la fin de l'émission tout court. Voilà. Alors on vous remercie énormément, de nous avoir énormément. Voilà. Beaucoup, beaucoup. Ouais, ici, là. Ici, là. On vous aime là. Tous. D'accord. On vous fait des bisous. Voilà. Côté comics n'est pas mort. Côté comics, t'as une page Facebook. Voilà. Et elle va continuer à être animée. On va continuer de l'animer. On va toujours vous donner plein d'anecdotes, d'infos, etc. Ça sera avec plaisir. Donc vous pouvez nous rejoindre. On vous fera toujours autant de bisous. C'est bien ça. C'est très bien pour finir. D'accord. Des bisous. Faut que je fasse la blog foireuse sur Batman encore, non. Comme d'hab. Non, laisse tomber. Non, laisse tomber. Je la mettrai sur Facebook. Voilà, on va faire comme ça. On vous attend sur Facebook. Ciao, ciao tout le monde. Bisous.